moment traversé cette compétition sans marquer un arrêt sur Cœur de Gazelle et sa caravane médicale, une caravane médicale qui fait du bien aux populations locales, qui prête le temps de quelques jours leur région à des gazelles. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Le concept de la caravane Cœur de Gazelle, il est assez simple, c'est passer dans les villages, dire, faire des recours, dire voilà, on va venir un jour avec des médecins, des pédiatres, des médecins généralistes, des dentistes, des opticiens, des ophtalmos, et on va venir soigner les gens gratuitement, parce que ça c'est important. Mais il faut savoir qu'un patient peut faire 2-3 visites, parce qu'il peut aller chez le dentiste, chez le médecin généraliste et chez l'opticien. Près de 520 patients par jour qui viennent consulter ici dans les différents services. En ophtalmologie par exemple, où les médecins font face à certaines maladies récurrentes. Ces messieurs-là, à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, ça devient opaque et c'est la cataracte sénile. Il y a d'autres types de cataractes, mais c'est, pour eux, c'est la cataracte sénile qui arrive avec l'âge. Mais c'est réversible avec une chirurgie, ça redonne la vision. Ils sont généralement satisfaits. Ah ouais. En fait, elle a mal à une dent en haut qui est très abîmée et très usée. C'est un peu un problème récurrent qu'on trouve ici en fait. Soit les caries, soit ils perdent beaucoup d'os à cause du manque d'hygiène et donc les dents bougent et du coup elles leur font mal. Pas de la même façon que si c'était une carie, mais ça les gêne quand même. Et puis cette année, une nouveauté, un service Alzheimer qui vient rappeler que le 4 avril, le Maroc se dote de son premier centre d'information et de lutte contre cette maladie. 7 cas sur 8 ne connaissent rien de la maladie. D'ailleurs, nous on prononce le mot Alzheimer, c'est le même mot en arabe. Et on voit en fait les gens, ils connaissent pas. C'est vrai, s'ils connaissent pas, on fait des petites questions, on termine. S'ils connaissent, c'est là on va dans les détails, qu'est-ce qui cause la maladie, quels sont les facteurs qui aggravent, est-ce qu'il y a un traitement ou pas. Souvent là aussi les gens un peu confondent ça avec les maladies liées au mauvais esprit, etc. Et puis, il y a les dons des gazelles, comme pour rappeler que ce sont aussi elles qui font battre ce cœur. On vous l'avait bien dit qu'elle était hors norme, cette compétition, et elle continue sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!